Bonjour à tous, je suis Maria Lopez, leader Product Data et Innovation. J'accompagne les clients Banque et Assurance dans leur programme de transformation data. Donc ces deux jours de salon, au salon Big Data et IA, qui est le salon européen le plus important autour de thématiques du Big Data et intelligence artificielle, est un salon qui est incontournable pour nous en tant qu'experts data et IA. Et l'intérêt pour nous, il est triple. C'est d'une part de nous frotter ici, d'être identifié dans ce microcosme Big Data et IA. Deuxième sujet, c'est le recrutement. Il y a un enjeu de notoriété qui est très fort. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment de faire du business et de nouer des partenariats de nature à accélérer notre business. Alors, sur les tendances Big Data et IA en 2022, je pense qu'on pourrait partir dans plein de directions. Je pense que la grosse tendance, et on l'a vu à travers le nombre de présentations ce matin, il y a de Data Mesh. Le Data Mesh, vraiment, je pense qu'on va beaucoup entendre parler. Avec des architectures assez ambitieuses, très distribuées, qui sont ce qu'on propose de plus en plus à nos clients. Mais on a également une autre tendance qui est super importante, c'est la Data Platform et également l'agilité à l'échelle dans les programmes de transformation data. Donc la techno coup de cœur, il y en a plein. Il y en a une qui n'est pas représentée, c'est Excel. Et si je dois vraiment que regarder sur celles qui sont présentes sur le salon, je parlerai, je pense, de Snowflake. Alors, ma techno coup de cœur, ça va être Snowflake. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur l'ensemble de ces technos, on a des consultants qui savent en parler, qui savent paramétrer, intégrer, et qui sont hyper familiers de ces concepts. Donc, quelque part, la technologie préférée du salon, c'est la technologie OnePoint.